Mais attention, là, il faut quand même que l'enfant joue librement, de se faire des parties avec ses amis, de se faire des cabanes dans le bois, puis aller faire du vélo, puis à l'extérieur le plus possible. Et ça, c'est une autre carence qu'on a, le déficit nature. Hein? Je ne sais pas si j'ai entendu parler de ce concept-là. Les enfants ne vont plus dehors. Et s'ils ne vont plus dehors, il y a des problématiques à ça, au niveau de l'oxygénation, au niveau des yeux. La lumière naturelle, hein, est essentielle pour les yeux. 50 % d'augmentation des taux de myopie chez les enfants de 12 ans et moins dans les 10 dernières années au Québec. Statistiques des optométristes. 50 % d'augmentation des taux de myopie chez les 12 ans et moins depuis 10 ans. Parce qu'ils ne vont pas assez dehors. Et ils sont trop proches des écrans. Donc, deux facteurs qui ont des impacts catastrophiques sur leurs yeux. Les tablettes, les téléphones. La télé, c'est plus loin. Mais il faut quand même doser, là. Mais c'est les écrans le problème majeur, là. Les tablettes et les iPhones, là, de ce monde, là, les téléphones intelligents.